Donc la propriété margin ou la propriété de marge en CSS, elle contrôle l'espace entre différents éléments HTML sur une page web. Donc on utilise la marge pour rapprocher les éléments ou les écarter davantage. On va inspecter le code entre les différentes images ici. Donc on fait clic droit inspecter. Yeah. Et on va voir les différentes images. Remarquez bien la zone orange, une petite zone orange qui est là. La petite zone orange qui entoure les images, c'est en fait le margin. D'accord? Et comme vous le remarquez, les balises figure ont une classe galerie item. Et galerie item, il y a un margin de 2 pixels. Ok? On va augmenter le margin. On va le mettre à 20 pixels par exemple. Vous remarquez ce qui se passe. Vous voyez que la zone orange, elle a augmenté. C'est exactement ça le margin. Voilà. Le margin, encore une fois de plus, il gère l'espace entre différents éléments HTML. Donc on va enregistrer ces modifications dans notre fichier de code. Donc on cherche la classe galerie item et tout ce qu'on change, c'est le margin de 2, on met à 20. Voilà. Ok. Voilà. Vous voyez qu'il y a plus d'espace entre nos images. Donc dans la prochaine vidéo, on va entrer un peu plus en profondeur dans les marges.